qu'est-ce qu'un entretien annuel d'évaluation ? Dans une entreprise, l'entretien annuel d'évaluation est une rencontre entre un employé et son responsable qui a lieu tous les ans. Il n'est pas obligatoire, sauf si la convention collective de l'entreprise le stipule. Son objectif est de faire le point sur la situation professionnelle du salarié dans l'entreprise. À quoi sert un entretien annuel d'évaluation ? Au cours de cet entretien, l'employeur et l'employé font le bilan sur l'année écoulée et fixent ensemble de nouveaux objectifs. Pour l'employeur, c'est l'occasion de mieux connaître ses employés, leurs aspirations, leurs forces et leurs faiblesses. Pour le salarié, c'est souvent un moment propice pour négocier de meilleures conditions de travail ou des augmentations de salaire. Comment bien mener un entretien annuel d'évaluation ? Pour bien mener un entretien individuel d'évaluation, il faudra d'abord le préparer correctement en amont. L'employeur devra donc prévenir le salarié en avance de la date et de l'heure de l'entretien. Pour évaluer le salarié, il faudra se baser sur une grille d'évaluation avec des critères objectifs. L'entretien pourra ensuite se dérouler de cette manière. 1. D'abord, faire le bilan de l'année. 2. Ensuite, évaluer les compétences du salarié avec ses points forts et ses points faibles. 3. Puis, définir les nouveaux objectifs. 4. Et enfin, négocier éventuellement les conditions de travail et la rémunération. À la fin de l'entretien, l'employeur pourra remettre un compte-rendu au salarié. Il sera aussi judicieux qu'il informe les ressources humaines du contenu de l'entretien pour qu'elles aient toutes les informations en main au cas où elles souhaitent faire évoluer des salariés sur d'autres postes. Car un salarié qui est sur un poste qui lui convient mieux sera plus motivé et plus enclin à rester plus longtemps dans l'entreprise.